qui lui a remis le ménisque en place pour cette fin de championnat du monde. La dernière journée de championnat. Formidable. Oh, là, elle est encore très très bonne à 19 ans. La championne olympique de Séoul au sol. Elle est très féminine maintenant. Nouvelle chorégraphie qu'elle a adoptée. Oh. Bien fait tout ça. Dernier sauterier, je pense, de la carrière brillante de Daniela Silva, qui doit prendre sa retraite, et sous le regard amusé de Svetlana Bozinskaya, qui se demande si le n'en va pas accorder le 10 final en couronnement de carrière. Hein. Oui, elle a déjà obtenu la médaille d'or, elle a partagé la médaille d'or au bas asymétrique avec la chinoise Fan. Et là, on se pose un peu la question s'il n'y a pas, après tout, un coup de cœur des juges qui pourrait accorder un 10 mérité, Jean-Marc, parce que elle a produit une exécution fantastique. Ça ne m'étonnerait pas dans tous les cas. Hein. Ça fait un beau podium. L'année dernière à Séoul, Silivas avait battu Bozinskaya. Et on pourrait les retrouver ici en clôture, mais... Mmh. Oui, oui. Pour Daniela Silva, qui peut encore gagner une médaille d'or d'ailleurs. Elle va la partager avec Bozinskaya. Ça sera un superbe podium. Et qui peut encore gagner une médaille d'or à la poutre.